Non, cette fois-ci, je ne mettrai pas ma perruque. Pourquoi? Parce qu'il y en a marre. Non, parce que c'est bon, à un moment donné, ok, une fois, c'est drôle. Et bon, déjà, rien que deux fois, c'est vraiment... J'en ai marre. Voilà, j'en ai ma claque. Non, vous savez quoi? Je vais garder ma casquette, ok? Oui, non, je vais me changer et je vais garder la casquette. A few inches later. Avant toute chose, je suis désolé. Je tiens pas forcément à m'exprimer sur ce qui se passe. Je vous souhaite juste bienvenue dans ce 6e épisode. J'espère qu'il va vous plaire. Puis on est parti du coup. Allez, c'est bon. Donc je sais pas si vous vous rappelez, on avait réussi à rétablir l'eau dans le camp pour les gentils. Pire explication. Mais si elle se met à fumer et à trembler, fichez le camp. Ok. Ouais, donc okay, voilà, donc ça on l'avait déjà fait, donc vous vous rappelez, là, Jack-Jack va réactiver. Et normalement, juste ici, regardez, je connais le jeu, vous êtes prêts? Il y a un truc qui va apparaître, je vous regarde même pas. Regardez. Je le savais. Hey, regardez qui voilà. Je le savais. Copine ingénieur de la citerne d'eau. Ouf, voilà, ah là là, trop intelligent le mec. Hein. Mais tais-toi, oh là là. Je comprends rien. Ah voilà, c'est la... Oh oui, c'est vrai que c'était très puissant ce truc-là. Ah, mais du coup, ils ont pas pris en compte les améliorations. Ah. Bon, oh, attendez, hein. Ça sert beaucoup. Hey, ça devrait nous être utile. Ok. Pour Nurninin, as nos bofanien ou bukid. Merci. Je comprends absolument. Femme est complètement cinglée. Je crois qu'il est temps qu'on retourne sur le skiff. Ah bah voilà, à part le allez, russe, alors forcément, elle boit de la vodka, elle est cinglée. Pire stéréotype, hein. Voir que j'ai pas ma crème solaire. Ta crème solaire. J'ai la peau sensible. Tu t'es déjà battu avec des coups de soleil? C'est pas marrant, pas marrant du tout. Je vais appeler le commandement. Coups de soleil. Ils pourront peut-être en larguer une caisse, de crème solaire. Tu peux te foutre de moi si tu veux. Yes, yes. Alors vraiment, les gars, est-ce que vous pouvez arrêter de parler? Non, je sais pas. Je propose après. Alors, on va prendre le skiff. Le skiff qui va nous emmener normalement. Je sais pas où. Ouais, d'ailleurs, ça va nous emmener où, ce truc-là? Ah, attendez. Je me charge du pilotage. Oui, vas-y, charge ton pilotage. Bah, Duc, je suis désolé. Ah, oui, d'accord. Certains de vos copains sont en train de devenir fous. Et ça vous étonne? Ces gens se retrouvent coincés dans un cycle infini d'isolement et de violence. Ouais, c'est vrai. Je veux bien je vois pas le rapport. Hein. Ne le prenez pas mal. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment contre vous. Non, pas de soucis. Allez, un on reste en contact. Peu. Oh non. 3500 mètres, 3 km 5. Bon, bah vous allez avoir droit à la petite ellipse, hein, vraiment. Je vous la donne, c'est cadeau, me remerciez pas. On se retrouve dès qu'on est arrivé. Au revoir. Alors, si je vous dis que j'ai fait 2 trajets pour rien, ça pourrait paraître ridicule, mais c'est vrai. En fait, fallait pas aller à 3,5 km, fallait juste rester sous le pont, voilà. On descend, voilà. Après, j'ai pas capté, par contre, si vous voulez. Ils disent passer sous le pont. Ah, genre... Ah, attendez, est-ce qu'il faut pas aller plus loin? Allez, viens, on va plus loin. Venez, soyons des glingos. Fallait juste aller là, vas-y, ça me saoule, quoi. Mais... Je m'énerve, quelquefois, je vous promets. Du coup, il y a encore 3 km à faire, du coup, il y a une nouvelle ellipse. D'accord, donc j'ai fait des ellipses pour faire des ellipses. Super intéressant. Ah, attendez, je reprends l'ellipse. Parce que là, c'est un peu le bordel, il y a des tornades, frère. What the fuck? What? Mais qu'est-ce qui se...
Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Je sais pas ce qui se passe. D'accord. Ils avaient pas annoncé ça à la météo, hein. Aïe. Ils avaient pas annoncé ça du tout. Ah la vache. Ah la vache. C'est bon, la tempête est passée. Ah la vache. Ah la vache. Ah la vache, je suis mort. Bon bah du coup on se retrouve quand j'ai réussi à passer. Enfin si j'ai réussi à passer. Allez, à tout de suite. L'avantage, c'est quoi le temps? Ok, je crois que c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Gars, ah, il n'y a pas eu besoin de paniquer. Hein. Et regardez ça, c'est la fusée. Elle est... Ils l'ont montée sur une sorte de train. Alors on la rapportera au hangar grâce à ça. Ok, c'est bon. Pas de panique, aucun problème, j'ai tout géré de A à Z. Pas de tout, j'ai vraiment paniqué, j'ai eu les mains qui ont sué comme pas possible. Allez, bah dis donc, c'était mouvementé, disons. C'est pour ça que ça s'appelle une plaque tournante. Attrape l'autre côté et entre. Allez. Mec, je veux ces lunettes à la fille. Ok, alors. Vraiment, c'est trop classe. D'abord trouver la salle de contrôle. Hé, permis. Parfait. C'est bon, tu dis. Allez, les murs. Alors, vraiment la discrétion, bonsoir, c'est moi. Ok. Bien joué. Procuration. Grenada. Grenada. D'accord. Oh merde, voilà le magie. Ah, c'est une vigie en plus, yes. L'autre, mais espèce de bastion, merde. Comment tu veux qu'on le défonce? Ah. Ah, c'est vraiment le pire boss. Allez, meurs, vas-y. Bisous, bisous sur ta truffe. C'est bon. La plaque est libre. C'est quoi, on va aller au train sur la bonne voie. Allez. C'est pas, c'est bien parce que j'ai pas eu peur, donc ça qui est bien. Je suis pas stressé. Self control, parfait. J'ai besoin de quelqu'un par ici. Dieu. Attends, on a une caisse ici. Maintenant, il faut qu'on accède aux commandes. Attendez, qu'est-ce qu'on a là?
La QRI, lieutenant Melik, traduire Turin. Personne ne s'attendait à ce que le majeur livre un combat pareil. Nous n'avions rien vu venir, bon sang. On croyait qu'on allait juste surveiller un hangar pendant une semaine et rentrer chez nous. Désormais, nous sommes assaillis, épuisés, et bientôt à court de munitions. Mais nous tenons bon, pour la paix sur ces rats. Je continuerai de me battre jusqu'à mon dernier souffle. Bah t'es mort quoi. C'est ça qu'il faut dire. T'es mort. Jack, oriente le train en direction du hangar. Oh, Jack, le mécanicien maintenant. Incroyable, le polyvalent, le poids numéro. Excellent. Il reste plus qu'à le ramener au hangar. Oh, je crois que le train a pris une longueur d'avance. Ah merde. Allez, on peut le rattraper avec le ski. Oui, yes. Ah bah non, mais décidément. Les bonnes idées t'en as, toi. Allez, 6000 mètres. Ok, tout le monde est prêt? C'est parti! Pourquoi à chaque fois le truc s'en va sans nous? Paduk, merde! La fusée est sur un train en direction du hangar! Hein? Quoi? Ça passera pas! Il va d'abord falloir abaisser le pont! Vos hommes peuvent pas le faire? Ils sont plus sur place! Pourquoi vous avez envoyé le train sans abaisser le pont? Parce que bande nous, de con! Non, ça fait rien, on le baissera nous-mêmes! Attends, mais what? Alors, il y en a encore, mais vraiment, je suis pas aidé, hein, vraiment. Je vais faire éclater la gueule. Je vais mourir, c'est obligé. Je sens la quenelle venir. Mais si, c'est large, on est large. Ah. À gauche. À gauche, j'ai dit. Ah non, bah là, je me le prends, lui. Plus vite, bordel, accélère! Mais accélère, je suis à fond, idiot! Allez. C'est bon, ça se finit deux secondes, c'est comment? On n'atteint pas les commandes du pont. Mais pas deux secondes. On y est presque. Continue. Allez, on perd pas de temps, putain. C'est le poste de commande du pont. Rapproche-nous. Allez, fonce. Allez. Peut-être qu'avec un pistolet on ira plus vite, non? Je sais pas, c'est peut-être une idée ridicule. Allez. Perdu! Ah! Merde, c'est pas possible! Butez-les! On n'a pas le temps, les gars! L'horloge ne tourne pas! L'horloge va carrément exploser! Ok, rien à foutre. Moi, je rush. Merde! Non, pas maintenant! Non. Alors on va le faire descendre à l'ancienne. Ok, sur quoi je dois tirer exactement? La grosse pince. Ça va le faire tomber. Comme ça? Touché, le pont descend. Oh merde. Voilà, c'est bon. Là c'est... C'est vraiment pas passé loin. Oh, tu l'as dit. Allez. On va retourner sur le skiff. Allez. Ils nous foutront jamais la paix. Vers Allez, Delta, on l'arrête. Je me casse, hein. Allez, salut. Allez, toi. Allez, hein. On retourne sur le skiff, comme elle dit la madame.
Oui, mais rien à foutre. Hein. Tu quoi? Tu sais tes problèmes? Ah, je peux pas. D'accord. Donc là, j'ai vraiment fui. Désolé. Combien là? Oh mais vrai de vrai. Il a l'air mort. Crevé. Mais que combien de cadavres là? On va se faire plaisir, mon gars. Il y a que des lames partout. Allez, on y va. Le... On n'a pas le temps là. Oh, t'es nul. Allez hop, bisous, bisous le faux. C'était le dernier. C'est bon. Bonne nouvelle les enfants. Je sais pas comment vous avez fait, mais mes éclaireurs viennent de me confirmer que la fusée était bien arrivée au hangar. Bonne nouvelle, pas du tout. Eh bah vraiment, je suis content pour toi en plus de son arme. On a eu un succès, c'est super. Allez récupérer les balises de visée du rayon de l'aube. Les balises de visée? Pour le rayon de l'aube? Notre système reposait sur des balises de visée. Je voulais rien dire avant de savoir si vous pouviez récupérer la fusée. Ouais, d'accord, encore plus de boulot, c'est-à-dire que là pour l'instant on en a pas encore assez, c'est vrai qu'on a pas comme si on avait traversé le désert au moins une centaine de fois. Ok, on s'en charge. Pardonne-moi. J'avais un chat dans la gorge. Ne vous inquiétez pas, il est parti. Il est parti. Je pense qu'on va faire une petite ellipse là. Non, ouais, ça risque d'être le meilleur. Un truc à faire. Kate, tes migraines, c'est terminé? Ouais. Dès qu'on a tué la matriarche, ça s'est arrêté. J'en ai pas eu depuis. Et le sentiment que tu avais que ta mère était... C'est pas un sentiment. Je l'ai vu. Ou en tout cas, j'ai vu ce qu'elle est maintenant. Ok, je trouve que c'est dans le coin là, non? Ouais, je crois que c'est tout là-haut, genre. Je me demande ce que dira Jean quand elle verra qu'on réactive le rayon. Encore. Et le camp numéro 2 l'a un peu changé. Mais pas à cause de moi, c'est clair. N'empêche, je me demande souvent qui a pu lui mettre un aussi gros balai dans le cul. Le capitaine Phoenix ne veut pas faire de commentaires sur la question. Allez, on va aller. Yes, c'est un moment gênant actuellement, donc on va essayer de changer de conversation. Vous trouvez pas qu'il fait assez beau en ce moment? Paduk, Berg, on se dirige vers le centre d'entraînement pour les balises. Bonne nouvelle. On vous attend. Je me demande un truc. Comment on a pu passer à côté du programme spatial de l'URI? Comment la CGU a pu garder ça secret? C'est très facile. Vu que la CGU dirige tous les journaux et sélectionne les historiens qui sont autorisés à publier des bouquins. Tu parles. C'est pas compliqué de garder un secret. Ouais. Je crois qu'on est. Ouah, le coup de gueule qu'elle est en train de pousser, c'est incroyable.
Vraiment, c'est le... C'est la Edward Snowden de Gears of War. Wow. En vrai, les paysages sont pas dégueux. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La CGU est passée. Ils nous ont balancé un missile lumière en pleine tête, alors qu'on allait prendre le contrôle de ce complexe tout entier. Mais je comprends pas, la CGU... Ça, c'est pas gentil. Je croyais que c'était une guerre civile de l'URI. C'est pas les perdants qui écrivent l'histoire, Vasgarien. Tu es pourtant bien placé pour le savoir. Vous avez réussi à remettre mes origines sur le papier. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est pas grave. Voilà l'entrée. Ok, rentrons dans le complexe. Il y aura pas de mutants, hein. Mais bah, non, pourquoi faire? Bon, allons voir ce qu'on a là-dedans. Aide-moi. Allez. Bon, oh, j'entends du monde. Écoutez, pendant notre attaque, j'étais certain que les balises étaient quelque part dans ce bâtiment. Mais le virus a bloqué l'accès à tous les bâtiments avant que je puisse les atteindre. Tant que votre bot ne se sera pas occupé de ça, vous ne les trouverez pas non plus. T'entends ça, mon grand? Notre destin est entre tes mains. Trouvez un terminal auquel accéder dans le bureau de surveillance du hall. Aucune pression, bien sûr. Voilà le terminal de sécurité. Trouver un moyen pour que Jack y accède. Genre, il peut pas passer là-dedans. Genre, Jack, le Jack ultime, ne peut pas passer là-dedans. Incroyable. Je dis que c'est du mensonge. Attendez, il y a un truc ici, c'est quoi? Ah non, d'accord, c'est juste des reflets de lumière. Yes. Ouais, je veux bien, mais Jack peut pas passer. Enfin, je crois qu'il peut pas passer, non? Ah si, oui, non. Y a quoi ici? Ah, est-ce qu'il faut pas tirer? Et si ton pote envoyait une impulsion? Oui, bon, c'est bon, hein, d'accord. Mais Jack, j'ai pas... impulsion. Les gars, et si on envoyait Jack dans ce conduit? Oui, bah, je le savais, hein. Je le savais, hein. C'était juste pour voir si les gens suivaient, quoi, voilà. Allez, c'est bon, arrêtez. Paduk, où est-ce qu'on cherche quand on aura neutralisé le virus? Le bâtiment de la centrifugeuse. C'est là que les balises devaient être cachées. La centrifugeuse, ok. Mais ne traînez pas, une tempête vous fonce dessus. Oh là là. Le meilleur Jack. L'installation s'active, Delta. Vous voyez, Jack pouvait le faire, Astoche. Jack a neutralisé le virus, on est dedans. Dans ce cas, vous avez désormais accès à toute l'installation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est la centrifugeuse. En tout cas, tempête ou pas, on y va. Ça, c'est pas un bon signe. Il y a une épave de condor là-bas. Eh merde, vous n'aurez pas perdu un condor par hasard? Plusieurs en fait, en livrant les armes à un certain ami à moi dans le désert. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez tout ce que vous trouverez. D'accord. 5 sur 5. Ça c'est fair play, ça, je trouve. Jack, le coffre, ouvre-le. Me gratte la perruque. Voilà. Oh. Est-ce qu'on peut pas l'améliorer là? Vite fait le Jack. Voilà, il est tout beau maintenant. Vraiment? T'as du mal à croire que Baird ait pris part à une opération secrète? Ouais, bon, c'est vrai que c'est comme ça. On va devoir traverser cette tempête pour y arriver.
Allez, on traîne pas. On n'a pas encore croisé de vermine. C'est au bon signe. Je vais te dire. Non, bah oui, non, mais... Paduc et les intempéries, ils ont pu se faufiler partout. Il y aura toujours des vermines. Faut arrêter de se dire, ah bah peut-être que... Non, ils sont toujours là. Eh ben... Suffisait de demander. Regardez. On a un sion. Et on a un bastion. Allez, on se débarrasse de ces vermines. Le moteur en rade, faut le relancer. Par contre, il va être chiant lui là-haut. On va te baisser, tu vois, ce boss. Comment je l'atteins là? Allez. Cadre. Oh, 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 oh. On doit se débarrasser de ce sion. Oh putain, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Il va être chiant, il va être chiant, il va être très chiant. Il a l'air mort. C'est bon, il est mort, il est mort. Rêve. Oui, il est mort. C'est bon, on a torché toutes les vermines. C'est bon, c'est bon. Maintenant que je l'ai dit, je sais que ça sonne bizarre. Torché, ouais. Oui. Allez, on bonsoir, je suis okay, l'homme qui torche des vermines. Oui, non, oui. Non. On va peut-être arrêter les conneries. Oh. Oh, des armures et tout. Combinaisons rigides. Où en était le programme spatial de l'URI au juste? Il y a pas des casiers qu'on peut ouvrir, il y a peut-être des secrets, des choses vraiment mystérieuses. Non, non, je pense pas. Tout a été abandonné, hein. Ok, toutes les issues sont bloquées. Et maintenant. Il vient juste de se téléporter ou c'est moi? Ouais. D'accord, à mon avis, ça c'est censé. Oui, voilà. Jack. Jack, active cette porte. Jack. Attention, Jack en action. Bon, ça a pas marché. Alors on en essaie une autre. Jack, la groupe. C'est pas grave, Jack, on t'en veut pas, on t'en veut pas. Espérons que celle-ci tienne. Mais oui, elle va tenir. La grue. Allez, Jack, on recommence. Oh là, c'est vraiment le meilleur, Jack, franchement. C'est notre héros. Yes, salut. Pourquoi moi? Je
D'accord, pourquoi moi forcément? Je sais pas. Il y a un truc avec moi, hein. Il y a un truc avec moi. Bon, c'est par là, je suppose. Oui, ça doit être ça, à mon avis. Ah oui, non, d'accord. Allez, entre, Jack. Jack, Jack. Fais-nous passer, Jack, Jack. Oh, faudrait faire une chanson avec Jack Jack. Quand même. Je préfère ça. Oui, d'accord. Je pensais que j'étais perdu, mais non. Venez. Descendons. On peut sortir par là. Oh, attendez, y a quoi là? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des trucs bien. Oh, il y a... Ouais. Ah, si, quand même. Si, si, si. Oh, bah, si, oui, il y en avait, oui. On va pouvoir améliorer le petit loup. Oh là là, ça va devenir une machine de guerre. Oh, oh, oh. Pauvre mutant. Au moins, tous les devbots étaient pas contaminés. Venez, par ici! Pas se faire découper, je sens que je vais me faire découper, je sais pas pourquoi. Attendez, en voilà un autre. Ils sont là. Pas pour longtemps. Laisse, bah, je vous laisse m'en occuper, là. Vous avez l'air de gérer. Non, non, ils ont explosé, on les a pas eu, ils se sont juste suicidés. Aide-moi à ouvrir ça. Allez, allez, allez. Ah, c'est vrai que j'ai toujours la masse. Sur moi, j'avais pas vu. C'est bon, on y est. Alors, où sont ces balises? Vérifions les caméras. Tiens, regardez qui voilà. Oh merde, il y en a d'autres. Là, regardez. Ok, il y a quelqu'un mort à l'intérieur. Ouais, mais comment on va les sortir? What, ils sont tous morts. Ça se tente. Ça se tente, oui. Jack, vois ce que tu peux faire. Ah, y a c'est du dingue monde. Que ce truc marche encore. Mais elle ralentit pas. Hé, hey, le robot! Qu'est-ce que t'as fichu? Le truc est plus vieux que toi, mec. Jack peut pas faire de miracle. Y a pas un frein d'urgence? Mais y a des commandes à la base. Oh mec, ça va me faire stresser ça. Okay, en vrai, c'est pas eux qui m'inquiètent. Hey, hein. Vraiment, c'est pas eux. Lance-grenade. Oh. On s'est occupé. Bien. Maintenant, on doit arrêter ce truc. Ok, allez. Hé,
aidez-moi. On doit tirer ensemble. Allez, go. C'est pas vrai. Pourquoi elle s'arrête pas? Parce que c'est rouillé, quoi que tu veux. On parlera de ça plus tard. Vermine. Allez, allez. Brûlez. Attention à l'explosion. Attention, grenade. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ranim, 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 super. Allez! Non! Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Allez hop! Allez hop! Ok! Ok! Il n'y a rien du tout, pas d'armes. Si, si, si. J'ai pas vu. D'où? Oh, je suis tellement mal, mais... Allez, allez. Il me tire dessus, s'il te plaît, alors que je suis vraiment invisible. N'importe quoi. Allez, je peux pas récupérer, mais quoi? Oula. Oh oui, oh oui, regardez. Attention, vous êtes prêts à un petit drôle, attention. Ouf. Allez. Attention, elle accélère. Les gars, là-bas, un écumeur. Oh merde, ramassez-le. Oh. Oh. Bon, ça a marché, non? Cette violence. Jack doit s'assurer que les incroyable. En avant. Incroyable cette violence. J'ai été choqué. Incroyable, c'est pris la boule dans la gueule, l'écumeur là. Extraordinaire. Alors, oh, j'ai pas lu, hein, excusez-moi. Dis-moi que les balises sont intactes. Oh, merci. Paduk, Baird, on a sécurisé les balises. Mais elles sont beaucoup plus grosses que ce que je pensais. Je crois qu'elles tiendront pas toutes sur le skiff. Je vais demander.
demander à mes hommes de les transporter. Ok. Et Delta, il m'en faut une ici dès que possible pour commencer à les calibrer sur le réseau de la nouvelle Ephira. Ça vous semble jouable? Ouais, je vais la porter jusqu'au skiff. La vache! C'est lourd! C'est bon, Baird. On rentre. Paduk, envoyez vos hommes chercher le reste des balises dès que vous pouvez. Delta, on retourne au skiff. Oh yes. Ah du coup, en pile, ce pouvoir se laisser là-dessus. Oh là là, c'est calculé, vous devez être prêt. C'est le talent, monsieur. Désolé, les gars. Je peux pas trop vous aider à vous battre pour le moment. Restez pas de moi, JD. Je te couvre. Allez. Ça, ça fait plaisir. Ça. Hop. What? D'accord, c'était pour les invités, je suppose. Regardez voir le mec qui s'envole dans la centrifugeuse. Incroyable. Prenez l'autre côté. C'est bon, on y va. JD, ça va? Ouais, je vous suis. Allez. La tempête s'est pas calmée. Je dirais même que c'est pire. C'est dommage, on doit y retourner. Oh non. Allez Delta, la sortie oh, est de l'autre côté. Oh ça brasse. On a pas perdu les gars. Mais pourquoi vous vous battez là-dessus? Ça s'appelle des fulguris. Ouais, c'est pareil. Foutu. Alors là par contre vrai de vrai je sais pas comment. Alors là mon pote. Grenade. Fumez-moi ces tourelles. Ah, je pensais que c'était un copain lui. Ah bah voilà. Ouais. Moi j'ai vraiment peur des hélices là, hein. Faites quelque chose, cette tourelle nous massacre. Oh mince. La voie est libre. Allez, à l'intérieur. Ok, c'est bon. Je prends ça. Ok, est-ce que tu peux pas mal. Hop, allez, on va se mettre bien. Et voilà. Ah merde, la porte est soudée. Oh non, mais c'est quoi cette manie de souder tout à chaque fois là, hein? Surtout ça marche pas, regarde. Et à la surprise, les mutants ont réussi à venir. Oh. Alors repoussez-les. Allez, on va essayer de les déglinguer. Est-ce que si je tire là-dessus, ça fait quelque chose? J'ai l'impression. Allez. Oh, ils sont combien? Ils sont combien? Allez. Et ils ont des bastions. Plus pour longtemps, éliminons-les.
Alors là mon pote. On les a eus. Et la porte est ouverte. Tout le monde à l'intérieur. Allez, voilà, superbe. C'est bon. Oh mec, le petit robot, il est trop mignon. Il paraît tellement violent. J'ai vraiment cru qu'il allait juste revenir auprès de Jack. Il est mort. Il est juste explosé, ton petit bol. Oh non. C'est triste. Bon, allez. Allez, le skiff est plus très loin. Ouais, facile à dire. Comment va la balise JD? Ok, on va aller jusqu'au bout. Et on va se laisser devant le skiff. Je compte sur toi pour qu'il lui arrive rien. T'inquiète, je joue l'avenir du monde. Aucune pression. Vous entendez? La tempête se calme. Ouais, maintenant que c'est fini. Allez, on va vérifier le skiff. Ok, est-ce que tout se passe bien? Si tout se passe bien, bah on va s'arrêter là. Oh, mais c'est tout beau dehors. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ce 6e épisode vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires, en mettant éventuellement un pouce bleu, et en vous abonnant si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode, donc l'épisode 7. D'ici là, prenez soin de vous. Sur ce, c'était le Hibou. Pour vous servir, allez, ciao. Merde, je pensais que c'était ma casquette. Je voulais vraiment prendre ma casquette.